Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais faire un petit test comparatif entre l'agrafeuse électrique de Enel et l'agrafeuse à batterie de Parkside. C'est simplement pour que vous puissiez vous rendre compte s'il y a une différence ou pas avec une agrafeuse électrique. Je vais utiliser les mêmes agrafes, c'est des T55 de Parkside de 20 mm. Je me suis mis sur la puissance maximale, pression moyenne au niveau de la main, puissance maximale. Pression forte. Et enfin, pression très forte. Bon, c'est pas du bois extrêmement dur. Vous voyez, le Parkside s'en sort très très bien. Pression moyenne au niveau de la main. Pression forte. Et enfin, pression très forte. Là, c'est du bois qui rebondit un petit peu. La Parkside s'en sort quand même mieux. Alors peut-être parce qu'elle est plus vers le centre. Je vais appuyer vraiment très très fort. Même en appuyant très très fort, là, ça va pas. Sur la NL, il faut appuyer très fort. Sur la Parkside, il faut appuyer fort. Enel, pareil, il faut appuyer très fort. La Parkside, il faut appuyer fort. Donc je tiens à vous rappeler que ce modèle-là est un ancien modèle de 2013. La version à batterie s'en sort mieux qu'une version électrique. Donc sur celle-ci, je dois pratiquement appuyer en permanence très fort, alors que celle-ci, il faut que j'appuie sur la graffeuse fort. Elle a l'avantage du poids, 1,6 kg contre 2,3 kg. Vous voyez, elles sont compatibles pour les mêmes longueurs d'agrafe, mais la Parkside est plus performante. Là, j'étais sur des agrafes de 20 mm. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.